T'es en retard, cousine. Ah, Melville, j'ai bien cru que t'étais reparti avec le train. Ah, comme t'as grandi. Oh, je suis trop contente de te voir. C'est à cause de mes habits. Ils sont pleins de poils de Mistral, j'ai pas eu le temps de me changer. Waouh, alors t'as pu le garder? Il est à toi maintenant? Oui, pour l'instant. Mais il n'est pas encore à moi. Il le sera après un an et un jour, si ses anciens propriétaires ne sont pas venus le chercher. Je suis trop pressée de le voir. Avec ton allergie aux chevaux, c'est pas prudent? Oh, s'il te plaît, je voudrais tellement voir Mistral. Et puis, tu sais, mon allergie, c'est pas si grave que ça. Allô, Anaïs? Oui, je suis avec Melville. Ah bon? Mais comment on va faire? Bon, ok, j'arrive. Tu te souviens d'Anaïs? Bah, elle a pas changé. Faut que je passe au ranch, mais pas pour longtemps. Génial, je viens avec toi. On est arrivé, Pistache. Je vais te présenter à Hugo et Angelo. Tu vas voir, ils sont cool. Enfin, en général. Anaïs, qu'est-ce que tu fais avec le cheval du papé? Un petit cheval abandonné comme ça, je parie que c'est ton nouveau protégé. Il s'appelle Pistache. Il y a un maquignon qui voulait l'acheter. Un homme sans cœur qui l'aurait sûrement revendu à un abattoir. Le papé a accepté de me le confier pour que je lui trouve une famille. Aïe, ah, oh, sale bête. Juju, du balai. Lui aussi, tu devrais lui trouver une famille. Anaïs, tu peux pas sauver tous les chevaux du monde. Et surtout, t'aurais dû nous en parler avant. Si vous êtes pas content, vous n'avez qu'à l'y emmener tout de suite à l'abattoir. Hé, les amis, on se calme. Alors le voilà, ce fameux Pistache. Bon, maintenant qu'il est là, on pourrait peut-être lui donner sa chance. Lui trouver une famille, si son prix est raisonnable, c'est pas impossible. S'il vous plaît, les garçons. Moi, j'ai rien contre. Bon, d'accord. Merci. T'es presque un homme, maintenant. Voilà. D'ici, tu pourras nous voir en restant loin des chevaux. Wow, Pistache, c'est celui qui est attaché, là? Oh, et Mistral, il est magnifique. Ok, je vois. Toi, t'es pas le cousin de Léna pour rien. Oh. Oh. Mistral, oh. Calme-toi. T'es un bon cheval. Hé, hey, comment il a fait ça? Melville, je veux pas que tu t'approches des chevaux. J'allais pas le toucher. Ce petit a le cheval dans le sang, Léna. Tu peux pas lui en vouloir. Je sais, c'est vraiment un coup dur pour lui d'être devenu allergique aux chevaux. En tout cas, il est super caractériel, ce cheval. Ça va être difficile de lui trouver une famille. On peut pas le juger si vite. Pistache était tranquille dans son pré et brusquement, il se retrouve sur le territoire d'autres chevaux. Il faut les emmener en terrain neutre pour faire de vraies présentations. On pourrait aller sur la plage? C'est l'endroit idéal. Où est passé Melville? Melville? Je voulais juste boire un verre d'eau. Melville! Comment tu te sens? Ça va, j'aurais dû y penser. Tu pouvais pas savoir. La maison de grand-père est pleine de poils de chevaux. Je suis désolée. J'aurais dû te dire que mon allergie, c'était quand même un petit peu grave. Mais j'avais tellement envie de voir les chevaux. Je crois que j'aurais fait pareil. Ça, c'est sûr. Tant que t'es au ranch, mets ce foulard, parce que c'est trop dangereux ici pour toi. Et quand tu iras mieux, on rentrera à la maison. Ben alors, viens m'aider. Il va pas te manger quand même.
Bien sûr, c'est comme cette gentille petite boule de plume. Ils sont si mignons. Hugo, il n'est pas allergique aux animaux. C'est les animaux qui sont allergiques à lui. Allez, je t'emmène à la maison. Mais tu devais présenter Pistache à vos chevaux. Oui, je vais m'en occuper, plus tard. Plus tard? Pistache a besoin de toi maintenant. Tu dois rester ici, moi je peux aller tout seul chez toi. Je connais le chemin, t'inquiète. Mais Melville... Sinon, on va tous à la plage. Sur le terrain, je ne sers pas à grand-chose. Alors, Melville et moi, on va prendre des photos de Pistache et ensuite, on ira préparer la petite annonce pour le faire adopter. D'accord. Youpi ! Je vais aider à sauver Pistache ! Ce poil bouclé, c'est vraiment moche. Je me demande qui voudrait d'un cheval pareil. C'est pas moche, c'est original. Regarde Anaïs avec ses cheveux rouges, c'est original. Et tu la trouves pas moche, hein? Hein? Non, elle est plutôt jolie. Enfin, pourquoi tu dis ça? Mais c'est bien, vas-y Pistache. Pistache, je te présente Sylla, le cheval d'Angelo. C'est très bien Pistache, t'es un bon cheval. Il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est le moment de te présenter Mistral. Oh. Pistache n'est pas une menace, ni pour toi, ni pour nous. Va, Mistral, j'ai confiance en toi. Hé, hey, mais elle fait quoi, là? Ils vont s'entretuer. T'inquiète, Léna, c'est ce qu'elle fait. Regarde ce Pistache, comment il se la raconte. Il joue comme de vrais gosses. Allez, vas-y, prends plein de photos. Pistache! Ah non, hein, tu vas pas nous casser les oreilles toute la journée pour voir ton nouveau copain. C'est l'heure d'y aller, le cousin. Attendez, je viens avec vous. Parce que, Hugo, avec tes fautes d'orthographe, ça ne va pas faire sérieux pour notre annonce. Comment ça, mes fautes? Bon, bah si t'insistes, tu peux venir avec nous. Remets ton foulard, Melville. La route traverse les prés du Maquignon. Il y a des chevaux tout le long. Ah. Ben justement, le voilà, le Maquignon. Dire que ces chevaux sont destinés à l'abattoir, c'est une honte. Ce Maquignon peut toujours rêver. On lui laissera jamais Pistache. Bon, voyons déjà si on t'a appris quelque chose. Hé, ça commence bien en tout cas. Mon père connaît un jeune cavalier qui cherche son premier cheval pour faire des petits concours. Il vient voir si Pistache ferait l'affaire. Waouh, super nouvelle. Ah, celle-là, c'est la mieux. Il est trop beau dessus. À moi de jouer maintenant. Alors, comment on charge les photos sur ce site? Eh ben, à ce rythme, on n'est pas arrivé. Laisse faire les web surfeurs. Hey, mais en fait, vous seriez pas un peu amoureux, vous deux? Hein? Mais pas du tout. Allô, Léna? C'est génial! J'arrive! Ils ont peut-être trouvé une famille pour Pistache. Je peux venir avec vous, moi aussi? Ok, j'en profiterai pour te faire faire du kite. Bien musclé, une bonne ossature, des pieds solides et sains. C'est un bon cheval que vous avez là. C'est un rustique. Chez le papé, il vivait au pré été comme hiver. Même pas un petit coin pour s'abriter. Et il donne quoi en selle? On n'a pas encore eu le temps de le monter, mais je l'ai un peu longé et il a été débourré. Il y a un creux là sur la colonne vertébrale. Le cheval ne boite pas? Mais non, pas du tout. Une malformation au dos. Il est sympathique, votre cheval, mais il ne conviendra pas à mon cavalier, désolé. Eh ben... c'est pas gagné. Avec une malformation, personne n'en voudra de ce cheval. Je laisserai pas Pistache partir à l'abattoir. Ça, Angelo, tu peux me croire. Anaïs, on va tout faire pour trouver une solution. Mais Angelo a raison, le placement va être difficile.
Il faut réfléchir. Je vais demander à mon père de venir voir Pistache. Seul un examen vétérinaire pourra établir s'il peut être monté malgré sa malformation. Mais même s'il ne peut pas être monté, des gens sympas avec un prêt, ça se trouve. Il faut convaincre le papé de donner Pistache. Hugo, pourquoi t'as ramené Melville? J'allais rentrer, c'est dangereux pour lui d'être là. Zen, la cousine, on s'affole pas. D'abord, Melville a mis son foulard. Et ensuite, on ne fait que passer. Je l'emmène faire son baptême de kite à la plage. Ah, super idée. Comme ça, je peux continuer à m'occuper de Pistache. Pourquoi Anaïs, elle pleure? On a découvert une malformation sur le dos de Pistache. Aïe, c'est pas bon, ça. Enfin, c'est pas parce que Pistache a un petit problème qu'il est bon pour l'abattoir. Heureusement que je suis pas un cheval, moi. Melville, on va tout faire pour lui trouver une famille. Je te le promets. Alors, vous l'avez vendu, mon canasson? Pistache a une malformation. Pas sûr qu'il puisse être monté. Comment ça, une malformation? Clara, ma petite fille, elle le montait bien, son Pistache. Tous les deux, ils faisaient les 400 coups. Si elle n'avait pas déménagé au Québec, jamais elle s'en serait séparée. Papé, on ne pourra pas le vendre. Hein? Tu veux le donner? Les gens, avant d'acheter un cheval, ils le font voir par un vétérinaire. Et si le cheval a un problème, personne ne voudra l'acheter. Hola, papé! Je viens chercher votre petit cheval. Hé, c'est qu'il est plus chez moi. Je l'ai confié à ces gamins. Quoi? Oui, et Pistache va rester chez nous parce qu'il a une malformation et que vous ne pourrez plus le vendre à personne à part à un boucher. Une malformation? Des fadaises, gamine. Le cheval, je l'ai examiné moi-même. Il n'a aucune malformation. Papé, ces gosses vous embrouillent pour avoir le cheval gratis. Anaïs, tu es trop jeunette pour t'occuper de ce genre d'affaires. J'ai eu tort de te confier mon cheval. S'il vous plaît, papé, ne lui vendez pas Pistache. Sinon, il va finir à l'abattoir. T'inquiète pas pour ça, il n'y a aucun risque. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. C'est bon, t'es prêt? Accroche-toi. Youhou! Hugo, faut que je rentre. Ma tante m'attend, hein, j'avais complètement zappé. Ramène-moi au bord, vite. D'accord. Je replie mon aile et je t'accompagne. Non, 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 c'est bon, laisse tomber, je me débrouille. C'est tout prêt. En plus, ma tante n'aime pas trop que je monte en scooter. On se voit plus tard. Hein? Allez, salut. Hé, hey, attends. C'est bien. Tu travailles bien, dis donc. Si tu peux être monté, tu feras vraiment le bonheur d'un cavalier. Hein? Allô, papa? Oui, c'est pour Pistache. Tu pourrais venir l'examiner? Oui, Melville va bien. Il fait du kitesurf avec Hugo. Ok, j'attends que tu me rappelles. Bonjour. Vous venez pourquoi? Je viens chercher mon cheval, pardi. Puisque je te dis que je l'ai acheté. Non, c'est pas vrai, ça. Bon, alors maintenant, tu me le rends ou j'appelle la gendarmerie. Pistache, Pistache, allez, viens. Arrête, tu vas nous faire repérer, gros bêta. Désolée, mais vous n'avez aucune preuve. Je veux d'abord voir le papé. Mais quelle tête de mule! Vous n'avez pas le droit! Ça suffit maintenant! Il est où, mon canasson? Il est plus là? Quoi? Tu te fiches de moi? Je reviens d'ici ce soir. Il a intérêt à être là, sinon ça va partir. Non, faut pas que tu t'approches trop près de moi. Je suis allergique. Allez, viens, on est presque arrivés. Je me cachais toujours là quand je jouais à cache-cache avec Léna. Allez, rentre. Ici, ils te trouveront pas.
non, non, je t'ai dit que j'étais allergique. Ah oui, tu veux manger? Oh, quel goinfre. T'inquiète pas, Pistache, jamais je te rendrai au maquignon. Pistache a disparu. Hein? Le maquignon est venu le chercher. Il disait qu'il était à lui. C'est vrai, le papé le lui a vendu. Hugo, où est Melville? Ben, il avait rendez-vous avec ta mère. Ma mère? Ma mère n'est même pas à la maison. C'est peut-être lui qui s'est enfui avec Pistache. Oh non! Pistache s'est enfui? Mistral sait dans quelle direction Pistache est parti. Allez, Mistral! Léna, attends! Allez, Scylla! S'il arrive quelque chose à Melville à cause de moi... Ne t'inquiète pas, Léna va le retrouver, j'en suis sûre. Il y a quelque chose de bizarre. Le maquignon, il a dit qu'il avait examiné Pistache et qu'il n'avait pas de malformation. Tu crois que le père d'Angelo s'est trompé? Non, je crois que le maquignon a menti. Allez, avance, vieille carne! Oh, allez, avance! Arrêtez! Où avez-vous mis mon cheval? Ben justement, ma copine, elle l'adore, votre cheval. Et je voudrais lui en faire cadeau. Je vous le rachète le double de son prix. Je t'offrirai la lune, bébé. Alors? C'est non. Bon, je vous en offre le triple et c'est une affaire conclue. D'accord? Eh ben, il fait des crottins en or, ce cheval, ou quoi? Fichez le camp, sale fouineur! Égare à vous! Je veux mon cheval ce soir! Vous ratez une super affaire. Vous allez le regretter. Mistral a perdu la trace de Pistache. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Allô, papa? D'accord, on se retrouve au ranch. Mais pas tout de suite. On fait une partie de cache-cache avec Melville. Ok, à tout à l'heure. On va retrouver Melville. Je suis certain que Mistral nous a conduits dans la bonne direction. Oui, mais imagine qu'il fasse une crise d'asthme. Sans personne pour l'aider. Cet endroit me rappelle quelque chose. Mais oui, je sais! Quand on était petit, Melville venait toujours par là. Il se cachait dans une maison de gardien. Je faisais semblant de ne pas le trouver pour lui faire plaisir. Melville! Melville! Oh non! Chut! Surtout pas un bruit! Melville! Melville? Melville! Oh, tu vas bien? Oui, ça va. T'es complètement inconscient. T'aurais pu faire une crise d'asthme ici tout seul. Et alors? C'est pas pire que l'abattoir pour Pistache. Ça n'arrivera pas, Melville. Ça n'arrivera pas. Tarpan, les chevaux de trait, Trakener, trotteur français. Il n'y a rien. Aucun cheval qui ressemble à Pistache. Faut dire qu'il ressemble à rien. Oups. Oh. J'ai rien dit, bébé. Bébé, toi-même, si le maquignon tient tant à ce cheval, c'est qu'il a quelque chose de spécial. Et son poil, c'est super rare, ça, un cheval frisé. Ça pourrait être un truc de collectionneur. Hugo, les chevaux, c'est pas des voitures. Cheval, bouclé... Oh, y a rien à part boucle de ceinture cheval. Je te l'avais dit. Allez, va rejoindre tes potes. Waouh! Ils sont beaux tous les trois! Mistral, Scylla et Pistache. Mais où sont Melville? Cheval, poil, frisé. Anaïs! C'est quoi cette entourloupe? Mais le voilà, mon cheval! Papé, le maquignon vous ment! Il compte revendre Pistache très cher! Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Des bêtises, papé! Ces gosses ne savent plus quoi inventer! J'ai retrouvé mon cheval, l'affaire est close! Curly, Curly... Hé! Je crois que je tiens quelque chose! Non, non! Non, laissez-le! Vous avez Melville, pas le droit! Melville, et ton allergie? Lâche Pistache, tu n'as même pas ton foulard! Oh, ne mais poussez-vous! Il va faire une crise d'asthme! Compris! Allez-vous-en! Partez! Mais t'as pas de crise d'asthme? Tu n'éternues même pas! C'est parce que Pistache est un curly, un cheval hypoallergénique. Un curly, ça veut dire frisé en anglais. C'est un cheval américain. Un cheval pour les allergiques aux chevaux?
Ça existe? Oui, et ça vaut une petite fortune. Regardez, papé, on avait raison. Ce maquignon comptait faire une très bonne affaire sur votre dos. Vous vouliez m'arnaquer, espèce de voyou. Mais vous n'êtes qu'un vieux fada. Vous êtes tous complètement fada ici. Ce cheval est à moi. Bravo, Mistral, tu lui as fait peur. La malformation ne semble pas avoir de conséquences pathologiques. Il peut être monté. C'est vrai que je ne suis pas allergique à pistache? On dirait bien. Grâce à leurs poils bouclés, les curlies sont, paraît-il, beaucoup moins allergisants que les autres chevaux. Le papé nous le confie et il n'augmente pas son prix de départ. Avec cet atout, on devrait lui trouver une famille facilement. Tu crois que mes parents seraient d'accord? Tu peux compter sur moi pour leur en parler. C'est bon, Melville, en selle. J'arrive pas à y croire. Allez, le cousin, file. Allez, on y va, pistache. Yeah! Oh. Allez, Melville.